time, fangirlons un peu. Je m'excuse pour ma tenue. J'ai passé la journée avec mon copain. Il est venu me voir 24 heures sur Paris. Du coup, là, il vient à peine de repartir, donc je suis un peu triste honnête, mais je me suis dit, plonge-toi dans ta vidéo, comme ça, ça te fera oublier un peu ça. Là, je le revois pas pendant un mois, donc ça va être un peu dur, mais bon. J'ai pas mal d'occupations, faut que je... Moi, j'ai Roland-Garros encore pendant une semaine, vu qu'on est lundi, et j'ai aussi mon déménagement à préparer. Donc voilà. Donc je m'excuse de ma tenue, parce que, enfin, voilà, j'ai mis un pull, je suis pas maquillée, j'ai mis mes lunettes, un headband, voilà. Donc ce matin, j'ai reçu un petit colis. Alors, j'ai ouvert le paquet, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Bien que j'ai une idée de ce que c'est. Il y a une semaine à peu près, j'ai participé à un concours sur la page Yves Saint Laurent le film sur Facebook. Il fallait dessiner une robe. Donc j'ai fait mon dessin en 10-15 minutes, pas plus. Je l'ai envoyé et en fait je pensais qu'ils choisissaient celle qu'ils préféraient. Et en fait non, il fallait faire voter des gens. Donc merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à Célia, à ses sœurs parce qu'elles ont fait voter leurs amis. Enfin c'était fou. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je ne vais pas remercier tout le monde parce que... J'ai eu genre 160 votes, donc c'est un peu fou. Enfin voilà, j'ai eu de super bons retours et je suis super contente. Et ils m'ont demandé mon adresse pour m'envoyer mon prix. Je sais ce que c'est. Mais alors ce matin, quand j'ai reçu le paquet, j'étais là. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est assez énorme. Je m'attendais à un truc plus petit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est l'édition prestige de Yves Saint Laurent, donc que j'ai gagné grâce à tous les votes, donc merci pour ça. Le film événement de Jalil Lester. Donc je vous propose qu'on fangirle ensemble sur son contenu. Donc là il y a une jolie photo de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais l'ouvrir. Ah mince, elle est abîmée là. Dommage. Waouh. Si je dis waouh plein de fois ou oh mon dieu c'est trop beau. Voilà, vidéo fangirl ensemble, hein, bon c'est pas pour rien. Enfin du coup je fangirl toute seule dans ma chambre mais je suis sûre que vous fangirlez pendant la vidéo. Wouh, papy parfait. Wouh, j'ai mis une feuille. Et donc ça en fait c'est ce qu'il y a à l'intérieur et le résumé. Et donc en fait quand on enlève la feuille c'est les mots de passe, le style éternel Yves Saint Laurent avec Pierre Ninon et Yves Saint Laurent. La boîte est magnifique. Et en fait là, édition prestige, le Y et le L c'est en bleu et le S est en noir. Et en fait la boîte est mate et en brillant il y a Pierre Ninon et Yves Saint Laurent. Je sais pas si ça se voit mais en tout cas c'est super bien fait. Bon là elle a un... pendant le transport je pense. C'est cool. J'essaie de l'ouvrir sans l'abîmer. Alors déjà il faut que je comprenne. Alors je pensais que c'était un couvercle qui se soulevait. Mais en fait, ils ont fait les choses bien. Oh. Donc là vous découvrez en même temps que moi. Ouh. Donc ça c'est un truc... Reproduction inédite d'un croquis original d'Yves Saint Laurent de la collection Haute Couture Automne-Hiver 1976, dite Opéra et Ballet Russe. Oh mon dieu. Je kiffe le coffret, comment vous... Oh mon dieu, c'est magnifique. Ça, ça va finir dans un cadre. Le jour où j'ai une maison, ça, ça finit dans un cadre, quoi. Enfin, c'est magnifique. J'ai envie de chialer. Donc voilà la suite. Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent. Donc là c'est un flyer qui raconte l'histoire. Bulletin de souscription, je lirai ça plus tard je pense. Le boîtier est en velours en dessous, c'est super beau. Alors il y a les lettres à Yves. J'ai déjà lu ce livre, je l'ai en une autre version, mais là c'est vraiment la belle version chez Gallimard. Donc ce livre, si jamais vous tombez dessus, foncez parce que c'est vraiment une perle. Et donc là j'ai 3 cartes postales Love, cartes de vœux dessinées par Yves Saint Laurent. Elles sont magnifiques. Donc en fait chaque année, donc, alors ça c'est à 1972, 1973 et...
1971. En fait, Yves Saint Laurent faisait lui-même ses cartes de vœux. Et je suis tombée sur un livre la dernière fois, Galerie Lafayette, qui s'appelle Love. Bon, il était sous blister, donc j'ai pas pu le feuilleter, mais c'est toutes les cartes de vœux qu'il a dessinées, quoi. Et je pense que ça va terminer sur ma wishlist need. Et donc là, j'ai l'édition collector Yves Saint Laurent, Jalil l'espère. Magnifique. Ouvrons le DVD pour fangirler encore un petit peu plus. Je vous montrerai bien mon fond d'écran d'ordinateur parce que c'est une photo de Pierre Millet dans Yves Saint Laurent, mais c'est un peu le bazar sur mon bureau ou pas, donc je vais essayer de ranger un peu avant de vous montrer ça. C'est magnifique, vraiment, c'est waouh. Le Yves Saint Laurent brille, enfin toutes les écritures sont rouge brillant. Waouh, mon Dieu. Oh. Allez. Ok, pardon. Donc là, je viens de tomber sur un truc qui va aussi tomber sur ma wishlist. Hein. Yves Saint Laurent, haute couture, Love Intégrale 1962-2002. Série limitée et numérotée à 500 exemplaires. 1700 euros. À votre bon cœur, monsieur dame, à votre bon cœur. Donc magnifique photo, je crois que c'est le dernier défilé en 2002 qu'il a fait. Une magnifique image qu'on voit dans le film et là dans les ateliers. Waouh. Yves Saint Laurent par Pierre Millet. Waouh. Donc là c'est film plus bonus, supplément. Donc il faudra que... Waouh. Et quand vous enlevez les DVD, donc il y a des photos, là Charlotte Lebon et Pierre Millet. Terminé avec un truc sur le pif, trop sympa pour lui. Et c'est Pierre Berger, donc Guillaume Gallienne. Petit aparté sur Guillaume Gallienne, j'ai vu Lucrèce Borgia à la Comédie Française mercredi, je crois, oui, mercredi, peu importe. Magnifique, Guillaume Gallienne, splendide comme dans Guillaume et le garçon à table, comme dans Yves Saint Laurent. De toute manière, cet homme est un acteur incroyable. Et je crois que c'est devenu un de mes acteurs préférés avec Pierre Millet. Et Lucrèce Borgia, vraiment, bon, c'est une histoire d'inceste, hein, donc c'est pas folichon tout le temps, mais les acteurs sont vraiment tous merveilleux. Christian Eck, qui joue le beau-père de Pierre Millet dans Chapeau de paille d'Italie. Est juste magnifique. Enfin, il y a plusieurs acteurs qui jouent dans Chapeau de paille d'Italie qui sont dans Lucrèce Borgia. Et c'est drôle de les voir dans un contexte complètement différent, dans des personnages plus noirs. C'est complètement fou, mais j'ai adoré Lucrèce Borgia et Guillaume Gallienne dans un rôle magnifique, une ovation à la fin et de super bonnes places. Donc. C'était très cool. Si jamais vous voulez aller voir une pièce à la Comédie Française, renseignez-vous parce qu'il y a un petit bureau où il y a des places à 5 euros. C'est pour ça que je suis allée voir autant de fois le Chapeau de paille d'Italie, j'ai envie de vous dire. Faudrait que je compte, je crois que je suis à une dizaine ou une douzaine. Ouais. Et là, on a payé 28 euros parce qu'en fait, les places à 5 euros sont vraiment dans les poulaillers, donc tout en haut et sur le côté. Donc, c'est un peu compliqué pour voir la scène. Là, on était à deux places à 28 euros. On était super bien placés au premier balcon, deuxième rang. Voilà, donc je reviens au... Je sais pas, un petit peu quelle âne. C'est vraiment dommage qu'il soit beugné là. Ils l'ont pas protégé pendant le transport. Du coup, j'ai un mion là. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère un jour pouvoir le faire dédicacer. Voilà, c'est ici. Donc merci à la page Yves Saint Laurent le film pour ce cadeau. Merci à Jalil l'espère pour ce film et encore bravo à tous les acteurs parce que c'est vraiment... Voilà mon fond d'écran. Donc Yves Saint Laurent par Pierre Millet et Pierre Berger. Comment vous dire ? Moi, je ne vois pas du tout Yves Saint Laurent, je vois Pierre Millet en maillot de bain.
Voilà. Donc, dès que j'allume mon ordinateur, je fangirl un peu. Bisous!